28e édition des JMJ, 560 000 jeunes réunis à Rio, et ils sont 80 jeunes du diocèse de Lille, Cambrai et Arras à vivre cette aventure brésilienne. Fin de semaine, ils se sont tous rejoints à Rio pour une des grandes messes du pape, une expérience riche en émotions. On écoute Mathieu, 25 ans, en direct de Rio. L'ambiance est très bizarre par rapport à la communauté française parce qu'en fait on est à Rio mais il pleut. Faut savoir qu'il pleut, il fait pas très beau depuis 2 jours, donc on s'attendait tous à un soleil magnifique et tout, mais l'ambiance est quand même très positive et très festive. Les Brésiliens sont vraiment tout le monde fait la musique, parle avec les uns les autres, on s'échange tous nos témoignages, même des cadeaux, on s'offre plein de choses et on est tous en communion en fait, on forme vraiment un seul groupe, c'est pas genre les Français, les Américains, les Anglais ou quoi que ce soit, c'est vraiment un peuple, j'ai envie de dire, c'est vraiment une grande famille. Les JMJ, c'est avant tout un temps d'échange et de rencontre entre jeunes de différentes cultures. Donc on a eu la première messe avant-hier, qui était la messe d'ouverture de la semaine à Rio, et donc ça réunit plus de 560 000 personnes sur la plage de Copacabana, et on sentait déjà l'attente quoi, qui faisait... sentir, et donc ça va être un moment très fort, je pense, pour toutes les personnes qui participent. Ça va être vraiment le début avant la grande messe finale, quoi.